Élise Lucet est de retour, ce jeudi 8 décembre à 21h sur France 2, pour un nouveau numéro de Cache Investigation. Pour ce numéro inédit, la journaliste et les équipes de l'émission ont enquêté sur la sécurité sociale et ses fraudes. Et ce qu'ils ont découvert risque de vous étonner. Vous pensez sûrement que ce sont les assurés les plus gros fraudeurs de la sécurité sociale. Détrompez-vous. En 2021, selon les chiffres de l'assurance maladie, 72% du montant des fraudes détectées sont le fait des professionnels de santé, assure le communiqué de presse de la chaîne. Élise Lucet et ses équipes ont notamment enquêté sur les centres dentaires qui se multiplient dans les villes. Ils promettent une facilité d'accès, du matériel dernier cri et des soins pour des patients qui n'ont presque rien à payer. Le journaliste Donatien Lemaître a découvert que certains de ces groupes étaient devenus, en réalité, des machines à cash facturant des actes inutiles ou même fictifs. Des dentistes repentis témoignent, dans le reportage diffusé ce jeudi sur France 2, des pratiques illégales à l'œuvre dans ces centres. Pire encore, d'anciens patients racontent avoir été mutilés. Cache Investigation vous révélera aussi comment l'un de ces groupes qui est officiellement une association fait remonter ses fonds vers une entreprise installée au Luxembourg. Élise Lucet, Cache Investigation, la mauvaise foi ou les mensonges, il faut les mettre en lumière. En septembre dernier, Élise Lucet, à la tête de Cache Investigation depuis plus de 10 ans, s'était confiée à nous. Lorsqu'on lui demandait si elle n'avait pas envie parfois de baisser les bras, la réponse de la journaliste était sans appel, jamais. La mauvaise foi ou les mensonges, il faut les mettre en lumière. Mes équipes sont toujours déterminées à mener les enquêtes jusqu'au bout.